All power to the people. 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 Bonjour à tous et toutes. Et d'abord, je voudrais remercier les Panthers de Bruxelles, Nordin, pour l'invitation de participer dans le cadre du Genocide Day, le jour du génocide, justement pour essayer de partager avec vous un peu les recherches que je suis en train de mener depuis quelques années. Et donc, merci aux Panthers de Bruxelles et merci à lui d'être là. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à nous dire, de partager entre nous. Moi, je pense que je parlerai 30 minutes. Donc, quand il aura 30 minutes, vous me faites un signe. Je m'arrêterai parce que sinon, je peux continuer des heures. Et le mieux, je pense, c'est le dialogue, c'est l'échange qu'on peut y avoir entre nous. Et avant de commencer, j'aimerais vous lire une petite phrase d'un juif. Je ne vais pas vous donner le nom tout de suite, je dirai qui a écrit ça à la fin de mon exposition. En 1929, un juif a écrit ça, et un penseur juif. L'histoire coloniale des peuples européens commence par l'événement révoltant de la conquête de l'Amérique, qui transforme le monde nouvellement conquis en une salle de torture. Ça, c'est très intéressant. C'était un penseur juif qui a écrit ça. Déjà dans cette phrase, on peut voir qu'il met en avance la conquête, c'est-à-dire, et il dit une salle de torture du monde moderne. Parce que normalement, on toujours écoute le mot holocauste pour parler de la Shoah. Et comme Nordin a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de mettre en concurrence les victimes. Ce que nous voulons faire, c'est mettre en perspective justement la prise, la matrice destructive, la matrice coloniale de la modernité. Donc, ce penseur juif me donne justement la porte pour justement dire au 16e siècle, le 16e siècle, mais surtout 1492 ou 1492, et sera une date très importante. Ça sera la date où on va trouver trois phénomènes parallèles. Bien évidemment, chacun a sa propre constitution, mais c'est la colonialité, le capitalisme et la modernité. Donc, commençons pour 1492. Et comme vous savez déjà, c'était l'époque que les Espagnols parlaient de la Reconquista, que déjà nous savons que c'est un anachronisme, parce que bon. Et Boabdil, que c'était une sorte de chef, un sultan de Granada, sa tombe Granada, en février-mars, Torquemada présente au roi, à l'époque était Isabel et Fernando d'Aragon, un projet pour expulser les juifs, non? Les chasser et les expulser de la péninsule ibérique. Et à cette époque-là, Christophe Colomb présente un projet pour les rois, auprès des rois. On dit on va trouver une route qui sera la plus courte pour aller en Chine. Parce que rappelez-vous qu'à cette époque-là, l'Europe était isolée. Les Turcs avaient pris Constantinople, l'actuelle Turquie, déjà en 1452-1457. Donc les Européens étaient isolés. Ils avaient besoin justement, pour la question du commerce, de trouver une route plus courte. Donc, Christophe Colomb présente cette idée à la reine Isabelle et les rois lui disent oui, on va faire ça, mais dès qu'on va conquérir toute la péninsule, dès qu'on va chasser les problèmes juifs musulmans, on parlera. Donc, après que voilà, ils prennent une grenade, ils mettent les lois d'expulsion, il dit, ok, on peut maintenant soutenir ton projet. Donc, Christophe Colomb
prennent la route et ils débarquent, comme vous savez, en octobre de 1492 dans les îles du Caribe. Non? Bon, ça c'est très intéressant. Pourquoi? Déjà, il pensait ou il cherchait d'aller en Inde, c'est pour cela que, dans l'Inde, c'est pour cela que quand il arrive dans les Caraïbes, où il avait les indigènes du Caraïbe, non, les Caraïbes, il va dire, d'abord il va nier son identité, il ne va pas les reconnaître en tant que Caraïbes, en tant que autres sujets. Il va dire, ah, ce sont des Indiens, de là provient le mot indigène. Il va d'abord voir cette sorte de sauvage. Avec Christophe Colomb, il va bien évidemment découvrir peu à peu, j'ai dit découvrir entre guillemets, parce que comme nous savons, ce mot découvrir, ça signifie que les Espagnols ont arrivé comme première fois. Ça signifie que donc les gens qui étaient là avant sont pas des gens, sont pas des sujets, parce que voilà, ça c'est très intéressant quand on dit les verbes qu'on choisit pour nommer cet épisode. Donc, qu'est-ce que Colón écrit dans son journal de bord, son diario de viajes, journal de bord. Il dit, quand il décrit, il dit, on arrive et on voit des communautés indiennes qui n'ont pas de religion, qui sont des idolâtres. Ça c'est très intéressant d'abord parce que au moins à l'époque de la guerre contre les juifs, contre les musulmans, il disait à l'égard des musulmans, ils sont infidèles, mais ils les reconnaissaient, au moins une religion. Quand ils vont arriver en Amérique latine, ils ne vont pas même reconnaître une religion chez les Indiens, ils vont les traiter d'idolâtres. Donc, ils auront une sorte de virginité. Les Indiens seront une sorte de tabula rasa. On peut écrire sur eux. Et qu'est-ce qu'on va écrire? Le christianisme. On va les évangéliser. Mais ça, c'est très intéressant parce que déjà, si on pourra parler en termes philosophiques, ontologiques, on va voir déjà la constitution d'un ego conquiro, c'est-à-dire d'un ego européen, lusi-hispanique, lusifon pour Portugal, en disant nous les pouvoirs lusi-hispaniques, nous sommes l'être, les sujets, vous, les indigènes, les autres, vous êtes les non-êtres. Vous n'avez pas même de religion, vous n'avez pas même de loi. Donc là, on va trouver déjà un premier moment, on va constituer toutes sortes d'entités, l'être et le non-être. Le non-être sera identifié toujours en question de sauvage, il sera tous admis qu'ils vont bien évidemment avoir un impact jusqu'à maintenant. J'ai pris justement cette idée parce que, comme vous savez, après Christophe Colomb, ils vont venir les conquistadores. Et les conquistadores seront accompagnés pour les missionnaires. En Mexique, ce seront les franciscains qui vont arriver, ils vont implanter tout ce système de ce qu'on appelle l'encomienda. Mais avant d'arriver en encomienda, il faut dire que, par exemple, à l'époque de Hernán Cortés, le conquistador du Mexique et des autres conquistadores, Francisco Pizarro au Pérou, ou il y a des autres, Núñez de Balboa. Par exemple, quand il arrivait, bien évidemment, il arrachait l'or. Ce qui pour eux était important, c'était l'or. C'était voilà, faire la conquête, la conquête. Il disait que c'était pour amener la religion chrétienne, mais en même temps, ce qu'il faisait, c'est voilà, d'exploiter la main d'œuvre des gens. Et Isabelle, la reine Isabelle, plus ou moins en 1103, quelque chose pour ça, pour quelle année, pour cette époque-là, il va dire que les indigènes seront libres. Mais le plus intéressant, c'est que, bon, il va dire les mots, mais dans la pratique, ce ne sera pas comme ça. Il sera le système d'encomiendas. De quoi s'agit-il ce système? Les indigènes, les Espagnols, prenaient la population et ils disaient qu'ils les... Il les envoyait pour travailler à la mine ou pour des autres travaux et en échange, il les christianisait. Donc pour les Espagnols, c'était un,
voilà, c'est à la traite. C'est-à-dire, on vous amène la bonne religion, on va sauver votre âme. Et c'est très, très intéressant parce que, par exemple, il y a un dicton à cette époque-là qu'on peut lire dans les chroniques, et justement, parce que il y a un livre très intéressant qui est écrit par un philosophe bulgaro-français, Svetan Todorov, qui a écrit sur la conquista. Dans ce petit livre, il raconte justement que, par exemple, les Aztèques, dans le cas de l'empire aztèque, ils ne disaient pas de mensonges. La société aztèque n'était pas habituée à dire des mensonges. Il parlait vrai. En fait, déjà dans les mots onahuatl, que c'est la langue des Aztèques, il n'avait pas les mots pour dire des mensonges. C'est très, très intéressant. Quand, par exemple, dans la culture européenne de l'époque, n'était pas tout à fait le cas. Et j'aimerais bien vous lire cette récit qui paraît dans l'histoire de Sagún. Où il fait justement, pour les Aztèques, ils vont faire ce lien entre mentors chrétiens. J'ouvre les virgules. Lorsque les Espagnols demandaient aux Indiens, et cela est arrivé non une fois, mais bien souvent, s'ils étaient chrétiens, l'Indien répondait, « Oui, Seigneur, je suis déjà un peu chrétien, parce que je sais déjà mentir un peu. Un jour, je serai mentir beaucoup et je serai beaucoup chrétien. » Ça, c'est très intéressant. Parce que c'est un récit. C'est un récit, justement, des indigènes. Comment est-ce que ces gens vivaient, justement, l'évangélisation? C'est-à-dire, les Espagnols, les Européens, venaient nous arracher notre terre. Parce que c'est ça, la conquista, arracher la terre. Et l'accumulation primitive, si vous voulez parler en tant que marxiste. Et en échange, ils vont nous donner la Bible. Et c'est très étonnant parce que Jean-Paul Doux, il s'est rendu au Pérou dans les années 80-90. Et Jean-Paul Doux, il arrive et il vient un indigène de péruvien, je ne sais pas si Aymara, quelque chose, il dit « sans prêtre, non, sans père, nous les indigènes, nous sommes très contents, très heureux que vous êtes là. Et je suis venu pour vous rendre une chose que votre ancêtre nous ont donné en échange de notre terre. » Jean-Paul Doux était un peu étonné. Bon, l'Indien lui a dit, je vous remets la Bible, j'aimerais bien vous demander nos terres. En ce moment-là, bien évidemment, imaginez, toute la population péruvienne, des indigènes, a commencé à applaudir. Jean-Paul Doux s'en tirait de là. Donc, c'est très, très intéressant cette connexion qu'on a là déjà. Les Espagnols nous amènent la religion vraie, le christianisme, en échange de nos terres, mais pas seulement de nos terres, en échange de notre force de travail. Parce que c'est très important de dire que, par exemple, en parlant de génocide, je pense que ça pourra faire un peu mettre à malaise aux intellectuels qui disent « Ok, mais le mot génocide va apparaître en 1947 ou 49, après parler de génocide au 16e siècle, c'est un anachronisme. » C'est pas bon, ça pourra mettre mal à l'aise aux intellectuels du statu quo. Mais il y a une analogie très intéressante. Dans les camps de concentration de Auschwitz, en Pologne, quand la Pologne était envahie pour les Allemands, dans l'entrée de Auschwitz, vous pouvez trouver, encore aujourd'hui, si vous serez à Auschwitz, dans la porte, il y a cette inscription. Arbeit macht frei. Le travail vous rendra libre. Non? Le travail va vous libérer. Et c'était dans les ports de Auschwitz, vous pouvez voir ça, comme les national-socialistes envoyaient les juifs, voilà, pour les sauver, parce que, et en plus, les juifs étaient traités d'indigènes par Hitler, il ne faut pas oublier ça. Et à l'époque de la conquista, à l'époque, justement, pour envoyer les indigènes à la mine de Potosí ou la mine de Zacatecas, parce que les indigènes savaient que si ils entraient dans la mine, ils vont mourir. Parce que c'était pour justement arracher de l'argent, de l'or, tous les matériaux précieux. Donc ils savaient qu'être envoyé à la mine, c'était déjà signé les jours de sa mort. Ils nommaient aux mines la bouche de l'enfer.
Les indigènes parlaient, c'est-à-dire les mots qu'ils trouvaient pour désigner la mine, c'était les bouches de l'enfer. Donc, bien évidemment, les indigènes se révoltaient. Parce qu'il faut aussi dire que quelquefois, on nous présente comme si les indigènes étaient toujours soumis. Et il y a une autre histoire de l'Amérique latine, un pouvoir qui a toute une histoire de révolte, de résistance. Je parlerai plus tard, je vais consacrer quelques minutes justement pour montrer qu'il y a, que l'histoire de l'Amérique latine, c'est également une histoire de résistance quotidienne. Donc, on en parlera. Donc, il y a bien évidemment des gens qui se révoltaient, qui disaient, on ne peut pas aller à la mine, parce que c'est voilà, c'est signé notre mort. Et donc, les Espagnols devaient trouver des justifications. Ils sont juste la justification pour justement envoyer les gens était ah ils sont méchants ils sont il était fils de diable parce qu'ils n'étaient pas encore christianisés pour les sauver son nom il faut les envoyer à la mine et voilà et il faut les faire les voter non sauver son nom et voilà c'est ok pour eux le travail qu'ils faisaient en arrachant des pierres ou de l'argent, c'était une façon voilà, de salut, de rédemption. Donc on trouve ce même argument dans la conquista. Cette idée de travailler, non? Travailler comme ça, vous sauverez votre âme, parce que vous êtes déjà un pêcheur, n'est-ce pas? Donc ça c'est très très intéressant de cette analogie, de comment cette matrice, à l'époque de la Shoah, de l'Holocauste, c'était de la même façon, s'est déployé dans les arguments des missionnaires et même des conquistadores. Et pourquoi nous disons que c'est la modernité? Parce que toujours on dit, bon, me parler de la périodisation, antiquité, modernité, tout ça, c'est un. Bon, déjà, nous savons que c'est une invention du 19e siècle. Mais quand on parle de modernité, on ne parle pas de cette étape historique. Ce n'est pas pour dire une sorte d'évolutionnisme, parce que ça, c'est finalement cette notion de progrès. Non, pour modernité, c'est que certains penseurs comme Ramon Grosfogel, les sociologues ou les philosophes Enrique Dussel dessinent, c'est la période quand l'Europe va s'ouvrir à l'Atlantique. Et l'Europe va s'ouvrir à l'Atlantique, et c'est-à-dire ils vont arriver, il aura la connexion de tous les marchés jusqu'à le 16e siècle. C'est ça le moment où pour première fois les Européens pourront arriver non, dans l'Inde, tout ça, pour faire les échanges. Donc, quand nous disons modernité, ce n'est pas pour parler d'une période, si vous voulez, dans l'échelle évolutionniste, c'est simplement pour montrer qu'à partir de la découverte, entre guillemets, l'Europe peut justement expandir pas seulement son pouvoir, mais également, sa, si vous voulez, son imaginaire. Quel imaginaire était l'imaginaire chrétien? Parce que ce qui s'est imposé aux indigènes, ce n'est pas seulement la langue, l'espagnol, c'est également l'imaginaire, les centres, tout ça qui va mener avec l'évangélisation. Et ça, je pense que c'est important. Et également, pourquoi? On parle de génocide, et quand on parle de génocide dans le cas de l'Amérique latine, on trouve trois façons. Bien évidemment, la première, c'est la tuerie. Quand pour conquérir, quand les gens ne vont justement pas se soumettre, ils vont faire la résistance. Bon, ils vont les tuer, c'est la première, si vous voulez, la tuerie directe. Il y a un autre, que c'est le deuxième facteur, c'est la tuerie indirecte. C'est-à-dire, ok, vous n'allez pas les tuer tout de suite, mais vous allez les envoyer à travailler dans les mines. Les Espagnols ne donnaient pas, comme vous savez, de la nourriture, ou si quelqu'un était malade, ils s'en foutaient. Les Espagnols continuaient à aller travailler, disaient aux indigènes, travailler. Bien évidemment, des gens malades continuant à travailler à la mine vont mourir. Donc, c'était une deuxième, et la troisième, c'était les maladies. Parce que, comme vous savez, les Espagnols ont amené des maladies qui n'étaient pas, qui étaient méconnues, comme la variole, on dit comme ça. La variole et les autres sortes de maladies. Donc, on parlera un peu de la. Déjà, on peut parler déjà d'une sorte de guerre bactériologique. Pourquoi? Parce que, également, quand les indigènes ils avaient pris cette maladie, c'est pas que les Espagnols ont dit « Ah, ok, vous devez se récupérer, se rétablir. » Non, même malade, ils les envoyaient travailler. Donc, c'est pas étonnant que voilà, que la population indigène était décimée. Je vous donnerai des chiffres, par exemple. On dit, en 1500, la population du globe, de la planète, doit être de l'ordre de 400 millions.
dont 80 habitent dans les Amériques. Au milieu du 16e siècle, de ces 80 millions, il en reste 10 millions. Or, on s'est limité qu'au Mexique. À la veille de la conquête, sa population d'environ 25 millions. En 1600, est 1 million. Voilà. La conquista de l'Empire aztèque, c'était en 1521. Et déjà en 1600, on reste que 1 million d'indigènes. Donc, c'était décimé la population. Et bon. Et ça c'est très très intéressant parce que voilà, si on parle de génocide, de cette sorte de génocide, on va voir clairement que ces génocides se trouvent dans la matrice de la modernité, de la configuration de la modernité. Et comme vous savez, déjà au XXe siècle, il y a eu des penseurs allemands, juifs, de l'école de Francfort qui ont développé justement cette notion de voir, de pas voir la modernité justement comme une sorte d'émancipation. Il faut voir que la modernité porte également dans sa propre cœur une pulsion de destruction. Et c'est des juifs allemands comme Max Horkheimer, Théodore Adorno, mais surtout ceux qui ont développé de façon à mon avis plus intéressante, c'est Walter Benjamin, Ernst Bloch, des penseurs marxistes qui ont justement montré que la modernité ne signifie pas seulement émancipation. La modernité a cette pulsion d'annihiler, comment on pourrait dire ça, détruire l'autre. Annihilation de l'autre. Donc, et bien évidemment, pour les juifs, son cadre de réflexion, c'était la Shoah. Mais pour nous, en tant latino-américains, notre cadre de réflexion vient de la conquista. Donc, on peut voir, à partir du 16e siècle, que cette pulsion de destruction de la modernité, ce n'est pas méconnue pour nous, pour les peuples de la périphérie. C'est-à-dire, cette occultation de ton altérité, cette négation de toi en tant que sujet, non? Vient depuis la conquista, depuis le 16e siècle. Et je pense que ça, c'est très, très intéressant pour, justement, comprendre cette ambiguïté dans la modernité. Dans les réseaux de colonial, on parle de la différence entre colonialisme et colonialité. Pourquoi on fait cette distinction? On l'a fait justement pour montrer qu'à partir de 1492, on est dans un nouvel épisode. Les Espagnols, pour première fois, ou les pouvoirs hispaniques, pour première fois, c'est créer cette idée de supériorité, de volonté de pouvoir. Auparavant, il savait qu'il était inférieur par rapport à la culture ottomane ou la culture musulmane, que c'était quoi l'Europe, c'est-à-dire le Moyen-Âge aura lieu qu'en Europe. Les musulmans n'ont pas eu le Moyen-Âge, au contraire, au 14e, 16e siècle, il y avait toute cette période très importante, même dans les autres cultures. Donc c'est jusqu'à quand les Espagnols arrivent, ou les Portugais au Brésil, ils vont faire la conquista, c'est pour la première fois qu'ils vont avoir cette idée de supériorité vis-à-vis d'un autre. Donc, pour un sociologue péruvien qui s'appelle Aníbal Quijano, il va développer le concept de colonialité du pouvoir. C'est quoi ce concept? Pour lui, la colonialité du pouvoir sera un sort de patron, de patron de domination et exploitation, qui va se configurer par rapport à trois catégories: la race, le genre et le travail. Comme vous savez, par exemple, toute l'époque coloniale, il avait des postes qui étaient réservés que pour les créoles. Créoles signifie les fils des Espagnols. Nous disons criollos, les nouveaux criollos, le nucléo criollo, ou fils des Espagnols. C'est-à-dire les fils des Espagnols qu'on est en Amérique latine. Mais somatiquement, culturellement, sont différents que la population métisse ou la population indigène. Par exemple, nous savons qu'il est dans les premières années de la conquista, pour les indigènes, était interdit de devenir prêtres. Donc, vous trouvez là le rapport race-travail. Ou, par exemple, les indigènes, la traite négrière avec les esclaves noirs qui ont été amenés de l'Afrique, il avait des travaux qui étaient réservés que pour les criollos. Les noirs n'avaient pas droit à avoir un salaire, ils étaient des esclaves. Donc, on a cette catégorie race-travail-genre. Et pourquoi genre, le genre? Il y a le mythe de la Malinche. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de la Malinche, o Malinche, o Doña María. Quand Cortés arrive au Mexique, dans le territoire aztèque, il arrive et bien évidemment, il ne parlait pas le náhuatl. Donc, il avait besoin d'une traductrice.
À cette époque-là, il avait une femme, une princesse, on dit que c'était une princesse, qui s'appelait Malinche. Malinche, c'était une fille aztèque qui avait été vendue, même par les aztèques, avec les populations mayas. Donc, elle parlait le maya et le nahuatl. Nahuatl, c'est la langue des aztèques. Donc, elle parlait les deux langues, les tevilangues. Mais avant que Cortés ait arrivé au territoire aztèque, au Mexique, si vous voulez dire comme ça, et bien évidemment, il avait eu depuis Colón des gens qui sont restés là. Un de ces gens était Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar, il a resté chez les Mayas et il a pris les Mayas. Donc, quand, après, Genaro Aguilar a rencontré Cortés. Qui sont communiqués en espagnol, il a dit: moi j'ai appris les mayas. Donc, quand ils ont rencontré les aztèques, Malinche a joué le rôle de traductrice. C'est-à-dire, Cortés parlait en espagnol à Aguilar. Aguilar traduit de l'espagnol vers les mayas à Malinche. Et Malinche, qui comprenait les mayas, traduisait au nahuatl. Donc, comme ça, tout ce rapport de traduction. Mais il y a ça crée après de ça un mythe dans la nationalité, dans le nationalisme mexicain métis. Lequel? On dit malinchista, qui vient de Malinche, à les gens qui aiment les choses étrangères. On dit que Malinche était la première traidora, comment on dira ça en français? La première traite de l'histoire. Donc, là, on trouve vraiment très intéressant parce que déjà, pour les machistes latino-américains ou patriarcales, la femme indigène, surtout, parce que c'est pas la femme blanche, c'est la femme indigène, elle est déjà elle est traite par sa propre nature. Donc, on a construit cette mythe de la Malinche. C'est pour cela que, par exemple, quand maintenant en Amérique latine, on a ce sort de féminicide, c'est-à-dire on tue les femmes, c'est pas seulement parce que, voilà, ça crée un mythe, on voit la colonialité des pouvoirs, il y a un patriarcalisme qui est né à partir de la modernité, où on va concevoir les femmes indigènes comme des traites. Voilà, c'est un mythe qui se crée. C'est pour ça très intéressant que, par exemple, dans le moment zapatiste, vous connaissez l'armée zapatiste qui, en 1994, non, s'est révoltée au sud du Mexique, et à mon avis, sont des moments antisystémiques les plus intéressants, les plus décoloniales qu'il peut y avoir dans la planète. C'est pour cela que dans ce moment, le rôle des femmes s'est revindiqué. C'est-à-dire, on essaie justement de lutter contre ce sort d'exclusion, de qualifier les femmes indigènes déjà avec des lunettes racistes, mais également avec cette idée. Donc, c'est pour cela que cette mythe de la Malinche est très, très intéressante également pour comprendre la contemporanéité mexicaine. Mais bon, voilà, j'ai voulu aussi parler de ça, parce que pour revenir au concept de colonialité de pouvoir, j'ai vu justement montrer que dans la construction de la configuration économique, c'est-à-dire il y a la métropole, l'Espagne ou l'Europe, qui a arraché tout l'argent et surtout l'argent et l'or, non, de l'Amérique latine. Et figurez-vous par exemple que la bataille de Lepanto, c'est la première fois que les Européens ont pu bâtir une armée en 1571, la bataille de Lepanto. Cette bataille a eu lieu 20 ans après qu'ils ont découvert une mine au Potosí, en Bolivie, où on a découvert beaucoup d'or. C'est avec cet or qu'ils ont découvert en Bolivie que les Espagnols ont pu vraiment construire une armée qui a battu les Turcs, non, dans la bataille de Lepanto. Donc, on peut voir qu'il y a cette relation entre métropole et colonie. C'est grâce à l'argent et tout la force de travail qui était arrachée de l'Amérique latine que l'Europe a, peu à peu, s'est consolidée, petit à petit, s'est consolidée comme le centre des systèmes mondes. C'est-à-dire, c'est pas parce que, voilà, comme des sociologues eurocentriques, comme, je sais pas, depuis Max Weber, jusqu'à Alan Touraine, qui disent non, la modernité, c'est quelque chose interne à l'Europe. L'Europe s'est développée parce qu'il y a quelque esprit européen, non? Donc, depuis l'eurocentrisme de Max Weber, ou je ne sais pas des autres, jusqu'à Habermas, on voit cet eurocentrisme. C'est-à-dire, on dit que c'est grâce à les propres efforts de l'Europe que l'effort à bâtir tout l'impère. Ce n'est pas vrai. Enrique Dussel nomme à cette perspective une perspective provinciale.
Voilà. Et je pense qu'il faut déprovincialiser l'histoire et il faut voir que justement la centralité de l'Europe s'est construite par rapport à la destruction des autres cultures. Dans ce cas-là, en 16e siècle, nous pensons que c'est l'Amérique latine, le premier sacrifié de cette modernité. Et c'est très intéressant qu'il y avait une théologienne allemande, Dorothy Stoll, qui disait qu'au tiers-monde, l'Holocauste est toujours quotidien. Donc, à mon avis, ça c'est aussi intéressant. Et quelle heure est-il? Comment va? Qui sera aujourd'hui l'arbitre? 15h15. Ok, ça reste 10 minutes au moins. Je ne sais pas. Continue. Ok. et je vais raconter un épisode pour voir justement la brutalité des Espagnols. Et à l'époque de la conquista, colonisation, comme vous savez, les Espagnols prenaient les troupes et commençaient voilà, de se balader, essayant de découvrir de nouvelles terres. Il raconte, il y a un épisode très intéressant que s'était vécu par Bartolomé de las Casas. On en parlera après. Bartolomé de las Casas était un dominicain qui avait né en Sevilla, à la ciudad de Sevilla. Il a parti là-bas et il était avec un troupe, no, des Espagnols. Il raconte qu'à Cuba, il a la fameuse massacre de Canao. Et les Espagnols, les Espagnols trouvaient des pierres et ils sont aiguisé l'épée, on dit comme ça, aiguisé, sacar filo, ils ont aiguisé l'épée. Ça le raconte Bartolomé dans son journal, que la troupe avait aiguisé ses épées, commencé à parler, et il trouvait une population indigène. Donc, quelqu'un a eu la belle idée de dire, on va voir si notre épée sont vraiment bien tranchantes, si sont bien aiguisées. Ils ont commencé à couper les têtes, couper les pieds, couper les mains, de la population qu'on trouvait seulement pour voir si son épée était bien tranchante. Ce sont des épisodes comme ça. Donc, qu'est-ce que cet épisode nous montre? Que déjà pour les indigènes, que déjà pour les Espagnols, les indigènes n'étaient que des choses. Point. Mais ils n'étaient pas même le niveau des bêtes. C'était des choses. C'est-à-dire qu'on pouvait anéantir la vie même pour rien. C'était une sorte. C'est une sorte de le capitalisme, et ça sera plutôt les théologiens de la libération qui vont développer ça. Le capitalisme, c'est une sorte de théologie de la mort, une religion de la mort. Donc, Bartolomé de las Casas a témoigné de cet épisode, il a retracé, il a laissé dans son journal. Parce qu'il était un dominicain, un jour il a célébré la messe, un dimanche, et en lisant l'ecclésiastique, il a eu une sorte de conversion. Et c'est maintenant à mon victime que j'avais demandé, Nordine, de nous lire un petit passage qui a vraiment eu un fort impact chez Bartolomé de las Casas. Si tu peux seulement lire ce que c'est souligné en vert de ici jusqu'à ici, s'il vous plaît. C'est l'Ecclésiastique chapitre 34. Sacrifice. Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Sacrifier un bien mal acquis, c'est se moquer. Les dons des méchants ne sont pas agréables. Le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies. Ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés. C'est immoler le Fils en présence de son Père, que d'offrir un sacrifice avec les biens des pauvres. Une maigre nourriture, c'est la vie des pauvres. Les en priver, c'est commettre un meurtre. C'est tuer son prochain que de lui ôter sa subsistance. C'est répandre le sang que de priver le salarié de son dû. L'un bâtit, l'autre démolit. Qu'en retire-t-il sinon de la peine? L'un bénit, l'autre maudit. De qui le maître écoutera-t-il la voix? Et donc, ce passage va avoir un fort impact chez Bartolomé de las Casas. Il va se rendre compte en disant, non, les Espagnols, les conquistadores, ont détourné l'essence de l'Évangile. C'est-à-dire, ils sont en train d'immoler des innocents, des indigènes.
pour voilà, les immoler contre, pour les nouvelles idoles, que c'est l'argent, la plata. Et donc, il va avoir des, bien évidemment, il va écrire des lettres au roi de l'époque, Philippe, en disant ce que vous faites, les Espagnols ne se portent pas comme des bons chrétiens. Non? Donc, il va envoyer beaucoup de lettres, il va écrire. Et donc, il sera invité au Valladolid en 1550, justement. Il va s'affronter à un des théologiens les plus importants de l'époque, qui s'appelait Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda était un maître à penser de l'époque. Je ne vais pas dire de nom de l'actualité, parce que sinon, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, sera débattre avec, je ne sais pas qui sera ce gars qui parlait de la. Les fans de l'histoire, Fukuyama, voilà, je ne sais pas, bon. Ginés de Sepúlveda était le Fukuyama de l'époque, le Huntington, voilà, Ginés de Sepúlveda était le Huntington de l'époque. Et en fait, ce n'est pas un hasard que pour Walter Benjamin, Ginés de Sepúlveda était considéré le théoricien de l'État. Intéressant, sont les mots de Walter Benjamin contre Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda était un professeur important à l'époque, il était aristotélicien, on dit comme ça, il suivait beaucoup Aristote. Donc, les propos de Ginés de Sepúlveda pour légitimer la guerre, c'était emparé d'Aristote. D'abord, il disait, les indigènes n'ont pas de propriété privée, parce que c'est vrai, là-bas, on connaissait un autre sort de propriété. C'est pour cela qu'on parle, non, del communisme, non, Inca ou Aztèque. Donc, ils n'ont pas de propriété privée. Donc, ils n'ont pas de loi, donc ils sont barbares, ils sont sauvages. Et donc, ça, c'est une première d'inspiration aristotélicienne. Un autre argument était les fameuses idées des âmes, non? Il y a l'âme du maître et l'âme des esclaves. Nous, étant chrétiens, avons l'âme des maîtres. Nous avons cette mission civilisatrice. Donc, les barbares, les aztèques, les indigènes, ils ont les âmes des esclaves. Donc, ces deux arguments sont les arguments qu'a mobilisé Ginés de Sepúlveda pour légitimer la conquista. Et face à lui, se trouvait Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas a dit que, voilà, il opposait des autres arguments. Quel argument? Le Christ. No? Il disait, rappelez-vous que Saint Paul, dans ses lettres aux Galates, a dit que dans le Christ, il n'existe pas de juifs, il n'existe pas de grecs, no? Tous sommes en Christ. Donc il avait ce sort de arguments de Bartholomé. Bon, qu'il y avait là, le cœur de l'équipe de la question, l'équipe de débat, c'était de reconnaître si les indigènes avaient une âme ou ils n'avaient pas une âme. Donc, c'était ce sort de débat, bien évidemment, ce débat c'est très important pour Enrique Dussel, c'est le premier débat de la modernité contre un débat contre la modernité. On a déjà deux sortes de visions du monde qui vont se confronter. Mais il faut faire attention, ça ne signifie pas que Bartolomé de las Casas, bon, oui, il défendait la situation de Saint-Julien, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, Bartolomé de las Casas présentait une possibilité, il disait, il ne faut pas esclaviser les Saint-Julien. Amener les Noirs. Bien évidemment, à la fin de sa vie, Bartolomé va regretter, à la fin. Mais à cette époque-là, les Noirs étaient considérés également comme des bêtes. Le débat n'est pas entre si les indigènes sont des êtres humains. Voilà. Si ils ont une âme ou ils n'ont pas d'âme. Voilà. Donc, comme nous allons voir, 1492 sera l'année où les musulmans et les juifs seront chassés de la péninsule ibérique. Là, on peut voir déjà la racine de ce que maintenant nous connaissons comme la islamophobie ou l'antisémitisme, mais surtout la islamophobie, mais également de les discours modernes qui a pris poids à partir de la conquista. Parce que c'est le moment, je répète, où l'Europe va, grâce à tout l'or et les matériaux précieux et le travail non payé, le travail exploité des indigènes, vont garder toute une accumulation de capital qui fera de l'Europe après quelques décennies ou des siècles tard la révolution industrielle. Mais ça, je ne vais pas développer ça, on pourra parler. Et sur le cas de débat, pourquoi je disais que Bartolomé de las Casas, par exemple, pour le sociologue Ramon Rosoel,
Et je pense qu'il n'est pas tort. Il dit que le débat de Valladolid entre Gines de Sepúlveda et Bartolomé de las Casas, c'est finalement les deux côtés du racisme. Pourquoi? Parce que les deux, comme Nordine a dit, ne reconnaissaient tout à fait l'humanité des indigènes. Les deux, chacun à sa manière, mais les deux défendaient la thèse que finalement l'Amérique latine devait se soumettre à l'Espagne. Donc, mais quand même, c'est très important le travail que Bartolomé a fait, parce que ça va servir pour ce que dans au 20e siècle, on va connaître comme la théologie de la libération. Et avec ça, je vais finir. Bon, c'est un peu, voilà, j'ai quitté un peu pourquoi 1492 c'est un génocide déjà moderne, c'est déjà un génocide de la modernité, qu'on ne peut pas le délier de la logique du capital, de la colonialité de pouvoir et de l'eurocentrisme. Et j'avais dit tout au début que l'Amérique latine, c'est un continent où il y a des résistances, toutes sortes de résistances. Et il y a des résistances passives jusqu'à il y a eu des armées des indigènes qui ont fait la révolte. Et normalement, dans la historiographie de l'statu quo ou la historiographie officielle, je ne sais pas, je pense à un professeur français comme Chenot qui a dit que les indépendances au 19e siècle c'était fait grâce aux Espagnols. Ils ont reconnu que oui, nous les Latinos on pouvait gérer nos affaires, ils ont donné l'indépendance presque grâce au bon cœur des Européens. Bon, nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Depuis le 16e siècle, il y a eu des révoltes. Au Mexique, par exemple, à Tlaxcala, il y a un leader qui s'appelle Xicoténcatl. Lui, il a formé toute une armée depuis que les Espagnols arrivaient, pour justement résister contre les pouvoirs invasifs. En 7e siècle, par exemple, sûrement vous avez entendu quelquefois la lutte de Tupac Amaru et Tupac Katari. Ça, c'est très intéressant, parce que normalement, la historiographie vous nous montrait à Tupac Amaru, le leader péruvien, comme le leader, voilà, qui était plus gentil, et Tupac Katari comme les méchants, comme les fondamentalistes. Je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, la bataille, qu'est-ce qu'a fait Tupac Amaru? Tupac Amaru a formé une armée, formée par des indigènes, mais également par des criollos et métis, pour lutter pour la liberté, non, pour l'indépendance. Quand ils ont justement fait reculer l'armée espagnole et ils ont repris le pouvoir pour s'organiser, les premiers qui ont trahi les indigènes et Tupac Amaru, c'était des créoles, les fils des espagnols, les criollos. Ils ont repris, reproduit ce racisme. Ok, oui, vous avez lutté, mais vous, les indigènes, vous ne sont pas comme nous, non? C'est nous, les fils, les criollos, les métis, que nous devons gérer le pays, non? Et ils ont trahi la lutte des indigènes, et ils ont trahi Tupac Amaru. Donc, quelques décennies plus tard, parce que Tupac Katari était un suiveur de Amaru, il a dit: oups, il faut faire attention avec les criollos, avec les fils espagnols. Ils ont déjà trahi Tupac Amaru. Donc, on va faire la politique de la destruction, c'est-à-dire on va s'organiser nous entre les gens et on va massacrer tous. Et il a fait ce sort de révolte. Bien évidemment, la historiographie officielle a voulu montrer à Tupac Katari comme un sort de fou, voilà, qui aimait bien les massacres. Maintenant, nous savons, grâce à nouvelles recherches, que c'était une histoire déformée. Bien évidemment, Tupac Katari n'a pas voulu justement faire des accords avec les criollos, parce qu'il avait vu qu'est-ce qu'il avait fait avant avec Amaru. Ce qu'il a voulu faire, Katari s'est dit: on va s'organiser nous-mêmes, on va lutter nous-mêmes. Donc ils ont fait ça, et donc la historiographie après a montré d'abord a essayé de montrer que Katari était un fou, en plus que l'indépendance presque c'était un cadeau qui était donné de l'Espagne pour les latino-américains. C'est-à-dire, ils ont gommé toutes les histoires de résistance et de rébellion. Et également, il ne faut pas oublier qu'une des grandes libératrices de cette époque-là, plus courageuse que Tupac Katari, était sa femme,
Bartolina Sica. Donc, quand il avait des batailles, où Bartolina Sica, la femme de Tupac Katari, organisait des armées de femmes. Donc, on voit justement parce que finalement, les femmes indigènes étaient, ils suivaient les triples sorts de colonialité du pouvoir. Déjà parce que c'était femmes indigènes, la question raciale, et également des femmes pauvres. On trouve la question de la classe. Et donc, bon, il ne faut pas non plus oublier le rôle d'Haïti pour l'indépendance de l'Amérique latine. Normalement, l'histoire officielle oublie ou gomme que grâce à Alexandre Piéton, le gouverneur du sud d'Haïti, c'est grâce à lui que Simon Bolivar et même au Mexique, j'ai oublié le nom de ce gars, Mina, on a pu retourner pour justement continuer la bataille de l'indépendance. Et on ne reconnaît pas l'Haïti, d'abord comme le premier pays indépendant de l'Amérique, mais également, c'est que grâce à Haïti, grâce à Alexandre Pétion, l'Amérique latine a conquis son indépendance. Et bon, voilà. Est-ce que le catholicisme est déjà une religion de méchante, comme pourrait être également l'islam ou les juifs? Non, pas du tout. Justement, ce que montre le cas de l'Amérique latine, c'est que le christianisme, comme n'importe quelle religion, pour légitimer le pouvoir, légitimer l'oppression, mais en même temps, pour devenir la religion une sorte de source, de révolte. Et donc, au XXe siècle, on assistait en Amérique latine à une sorte de théologie qu'on appelle la théologie de la libération, c'est-à-dire des prêtres, même du clergé, qu'ils seront à côté des mouvements populaires, qu'ils vont essayer, voilà, par le biais d'une pensée théologique, essayer de comprendre les luttes de l'Amérique latine. Il sera une théologie qui va montrer que la religion ne peut pas être réduite qu'à opium des pauvres. La religion peut également être une source d'inspiration pour les luttes populaires. Donc voilà, je voudrais finir avec ça. Et voilà, et s'il y a des questions, je pense que sera intéressant. Merci. Moi, je me demandais si tu sais un peu expliquer maintenant comment justement les apatistes gèrent leur rapport à la religion chrétienne. Parce qu'ils se disent non chrétiens. Là, par exemple, ils ont construit une église dans la colonie politique, donc il y a un peu une tension. Oui. Bon, je ne sais pas si tout le monde a entendu ou connaît plus ou moins l'histoire de la théologie de la libération, si vous avez entendu un petit peu, parce que ça va me donner justement la porte d'entrée pour parler du zapatisme. Et dans les années en 1959, il a dû faire historique important. D'abord la révolution cubaine, 1959, c'était très important, parce qu'il a marqué toute une génération de luttes et de générations, finalement, de militants et d'intellectuels dans l'Amérique latine, parce que c'était une révolution anti-impérialiste, anti-capitaliste. Et donc, ça c'est important. La deuxième, c'était la nomination de Jean XXIII, non? C'est lui qui a, le pape, il a organisé le fameux aggiornamento, la mise au jour de l'Église. C'est-à-dire que l'Église catholique devrait s'ouvrir au monde moderne, parce qu'auparavant, la modernité était considérée comme anathème. Donc, pour Jean XXIII, c'était important, voilà, de faire la mise au jour de l'Église, c'est-à-dire reconnaître le rôle de laïc. Bon. Et donc, après Jean-Paul II, après Jean XXIII, et Paul VI et tous les autres papes ont organisé Vatican II, que c'est une sorte de conférence, de rencontre entre évêques, entre 1962 jusqu'à 1965. Et donc, beaucoup de gens disent que c'est grâce à Vatican II qu'a surgi en Amérique latine la théologie de la libération. Je pense que s'ils n'ont pas tort, il ne dit pas vrai. Pourquoi? Parce que déjà dans les années 50, au Brésil, par exemple, avant Vatican II, il y a eu un mouvement qui s'appelle Action catholique, qui c'était une sorte, voilà, d'action de laïcs qui, voilà, qui essayait de faire la évangélisation, parce qu'à faute d'avoir beaucoup de prêtres, il y a eu des laïcs qui ont aidé à la évangélisation. Mais le plus intéressant, c'est que dans les années 50, il y a une sorte de mobilisation populaire des laïcs de gauche, et que, on peut dire qu'il y a eu des rencontres
il avait des rencontres, on s'est rencontré des croyantes, des gens croyants de gauche, avec des laïcs. Donc, ils se sont organisés. Laïcs. Des non-croyantes. Il avait des laïcs, mais également des non-croyants, c'est-à-dire des athées, des communistes athées. Donc, ces trois groupes, croyantes de gauche, laïcs de gauche et athées communistes ou libertaires, se rassemblaient dans différentes parts du Brésil pour organiser voilà, des choses, des, je sais pas, des syndicats, bla bla bla. À Belo Horizonte, en 1959, ils ont formé un mouvement qui s'appelait Action Populaire. Et c'était une alliance très intéressante. 1959, c'était l'alliance au Brésil, à Belo Horizonte, dans la ville de Belo Horizonte, entre athées marxistes et croyants de gauche et ce groupe. Donc, c'était un mouvement qui se disait à l'époque anticapitaliste, anticolonialiste. Quand il y a eu, en 1964, le fameux coup d'État au Brésil, parce que rappelez-vous que le premier coup d'État qui a eu lieu au XXe siècle en Amérique latine, c'était à Guatemala. Parce qu'à Guatemala, il y avait un président, Jacob Arbenz, en 1954, qui a essayé de faire une petite sorte de réforme agraire. Il n'était pas un communiste, il était un social-démocrate. Mais regardez comment les Nord-Américains, les pouvoirs nord-américains, yankees, voulaient ne pas donner même des miettes. Même des miettes. Donc Arbenz a essayé de faire une petite réforme agraire, petite. Et donc les Américains ont dit on n'est pas d'accord avec ça, ils ont organisé un coup d'État, 54. Ça commence la dictature, la période de dictature. Au Brésil, il y avait un président également, social-démocrate, João Goulart, qui a également essayé de faire des concessions au mouvement ouvrier. Il n'a pas fait le socialisme, non, il était loin d'être socialiste, communiste, non, petite réforme. Les Nord-Américains n'ont pas aimé ça, ils l'ont dit, non, ils ont aidé la droite, surtout les militaires, a renversé João Goulart. Donc en 64, il a un coup d'État au Brésil qui va amener aux militaires au pouvoir. Et c'est toute l'histoire des années 60-70 de l'Amérique latine. Au Chili avec Pinochet, en Argentine avec Videla, et on pourra nommer au Paraguay avec Stroessner. Donc, comme vous savons maintenant, l'époque des dictateurs militaires en Amérique latine a amené le néolibéralisme, parce que c'est Pinochet le premier à mettre cette question, non, de la militarisation. C'est que vous êtes en train de connaître ici en Belgique, non? Militarisation et néolibéralisme, bon de pair. Ça nous l'a pris l'histoire de l'Amérique latine. Bon, à cette époque-là, les laïcs et les non-croyants et les croyants essayaient de faire une sorte de bloc, non? Pour lutter pour la démocratisation des pays, pour la défense des droits de l'homme. Bon, voilà. Donc, et beaucoup de gens disaient que c'est grâce à Vatican II que la théologie de la libération est née. La théologie de la libération, c'est des gens, des théologiens, des prêtres qui sont venus en Europe, des autres ont allé aux États-Unis, ils ont essayé de lire la Bible, de lire la Bible et évangéliser les gens à partir de la vie quotidienne, mais à partir d'une lecture libératrice. C'est-à-dire, ils posaient la question, qu'est-ce que Dieu peut nous dire dans un contexte de pauvreté? Qu'est-ce que Dieu peut dire dans un contexte de marginalité? Donc, ils ont dit, bon, on ne peut pas se libérer seulement, si vous voulez, spirituellement, si on ne se libère pas matériellement. Ils disaient, il faut construire le royaume de Dieu dans la terre. Donc, les théologiens de la libération, ce qu'ils ont fait, c'est essayer de lire la Bible à la lumière de la vie quotidienne du victime. C'est que Walter Benjamin disait, voir l'histoire à rebrousse-poil, voir l'histoire à partir du vaincu de l'histoire. En Amérique latine, je répète, les vaincus de l'histoire, c'est les indigènes, sont les femmes, sont les noirs, les fils de la traité négrière. Donc, il faut lire la Bible à partir pas de l'histoire de César ou des grands empires, mais plutôt lire à partir des vaincus de l'histoire. Et donc, ce que les théologiens de la libération dans les années 60-70 ont fait, c'est de prennent la Bible, lire la Bible, ils la prennent comme une arme pour dire, dénoncer. Ce que les conquistadores ont fait avec la religion catholique, c'était un détournement. Ils ont voilà, détourné le sens de l'évangélique pour justement pour arracher de la richesse, tout ça. Bon, la théologie de la libération, c'est un courant qui s'est développé en Amérique latine. La théologie de la libération n'était pas homogène. Il y a eu des gens qui ont pris des positions plus modérées, si vous voulez, c'est-à-dire ont dénoncé la dictature militaire au Brésil. On a eu le cas de
Elder Camera. Mais également, on a eu à Paulo Evaristo Arns, qui vient de nous quitter la semaine dernière. Paulo Evaristo Arns, c'était l'archevêque de São Paulo. C'est grâce à lui qu'il a fait tout un rapport de toutes les violations contre les droits de l'homme à l'époque de la dictature. Donc lui, il a fait ce rapport qui s'appelle Brésil nunca mais, Brésil jamais comme ça. Et c'est grâce à lui qu'on connaît toutes les violations qu'a fait la dictature militaire. Donc on a eu des gens comme celui-là qui jouaient le rôle de dénonciation de la dictature. Mais on a eu aussi des prêtres ou des théologiens qui ont allé même prendre les armes. L'exemple le plus connu, c'est Camilo Torres. Mais comme Camilo Torres, il y a eu plus des autres, pas seulement lui. En Colombie, Camilo Torres, qui en plus, il est venu ici faire ses études à l'UVN. Non, il a fait la sociologie ici. Il a rentré en Colombie. Il a formé avec des autres Colombiens une sorte d'étude. Il a fait une étude sur la réforme agraire en Colombie. Il est avec un sociologue qui s'appelle Orlando Falsborda. Avec lui. En plus, le plus intéressant, que Camilo Torres avait rencontré à Paris au Abbé Pierre. Lui, il a influencé un peu. Mais bon, donc l'histoire. Camilo Torres rentre à Colombie. Il fait une sorte de rapport sur la réforme agraire. Et il dit, la réforme agraire jamais sera donné pour la grande terrienne. Il faut faire une révolution parce qu'on ne peut pas demander au grand propriétaire la terre, il faut l'arracher. Mais finalement, c'est la leçon de Marx qui disait le prolétariat, c'est l'unique sujet qui pourra rompre avec les chaînes. Le prolétariat, c'est l'unique sujet de la libération. Et donc, Camilo Torres a rejoint les FLN, les Frères de Libération Nationale, et il était tué non, pour la soldat. Donc dans la théologie de la libération, on peut trouver beaucoup des attitudes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les camps mexicains? Il avait à cette époque-là un évêque qui s'appelle Samuel Ruiz. Samuel Ruiz était un prêtre, un évêque au début conservateur, un peu comme Oscar Romero au Salvador. Au début, ils étaient conservateurs. Au fur et à mesure qu'il regardait quotidiennement les violations, les exactions qui souffrent les communautés pauvres, ils ont commencé d'avoir cette sorte de conversion. Samuel Torres, il était à Chiapas. Chiapas se trouve au sud de Mexique. Chiapas, l'état de Chiapas, c'est un état qui est au sud du pays, qui fait les limites avec le Guatemala. Au sud de Mexique se trouve la majorité de population indigène. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, c'est une des populations où se concentre la majorité de population indigène. Donc, la population la plus pauvre pour le racisme de la colonialité du pouvoir. Donc, au Chiapas, vous savez, les mayas. Les mayas, c'est on dit comme ça les mayas, mais c'est comme si on dirait les européens. On dit européens, c'est-à-dire c'est très large. Un polonais, ce n'était pas un portugais. Un espagnol, ce n'était pas... Dans les mayas, on a différents sortes de groupes. On dit maya pour voilà, les enfants, mais dans les mayas, il y a les tojolobal, il y a les otziles, les etzales, les lacandones. Il y a au moins 12 groupes. J'ai dit ça parce que des fois on oublie, des fois si j'ai dit aux Français, vous êtes breton, ah non, je suis normand, non, il s'efface, non. Donc là-bas, au Chiapas, il y a toi, beaucoup de communautés indigènes qui parlent ses propres langues. Les Tojolabal, c'est pas la même chose que les Lacandon. C'est comme si je dirais, ah, vous êtes européen, et je voudrais qu'un Allemand se communique avec un Portugais. Les Portugais et l'Allemand sont des langues très différentes. Les Européens disent, je vais en voyage en Afrique. Par exemple. C'est un pays précis en Afrique, mais j'étais en Afrique. Voilà. Donc, dans le cas de Chiapas, vous savez, les Mayas, si nous pouvons dire, mais chez les Mayas, il y a beaucoup de communautés qui parlent ses propres langues. Donc, qu'est-ce que Samuel Ruiz a dit avec toute cette influence de Vatican II et de la théologie de la libération? Si nous voulons évangéliser les indigènes, il faut d'abord apprendre ces langues. Mais il s'avait rendu compte également que justement cette segmentation des groupes indigènes, c'est-à-dire que les Tojolobal parlaient que les Tojolobal, blablabla, contribuait à la domination des élites mexicaines. Parce que les Tojolobales ne pouvaient pas se communiquer avec les Lacandones. Donc comment est-ce qu'ils pouvaient mener une lutte contre les grands chefs terriens? Donc, ce que Samuel Ruiz a fait, d'abord, c'est organiser un congrès, une conférence où il a rassemblé tous les différents indigènes, ethnies, pour justement, d'abord, pour essayer de parler vous entre vous, regarder que vous vivez et souffrez les mêmes problèmes, vous êtes victime de racisme,
votre terre était arrachée. Donc, il a organisé, il a... les gens, les indigènes, commençaient à dire, c'est vrai, les Lacandones, les Tocolovales sont les mêmes problèmes que nous. Donc, ils ont commencé voilà, d'organiser. Donc, c'est à partir de, il a formé des cadres, il a évangélisé. Donc, il a organisé une sorte d'église indigène. Donc, c'était, ça, c'était, la conférence a eu lieu en 1919. 1979, non 19 79 79, voilà. Les chiffres sont toujours un problème avec moi. 1979. Et voilà, il organise cette conférence, cette rencontre. C'est la révolution sandiniste. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'échec de la révolution guatémaltèque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a un lien en face. Bon, oui, c'est vrai, j'avais oublié de faire ce lien. C'est la révolution iranienne. Vous avez raison, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Dans le cas de Nicaragua, c'est très intéressant parce que c'est vrai. Normalement, on disait que la religion, comme j'avais dit avant, c'est un opium. La révolution de nicaraguayenne nous montre un des produits de la théologie de la libération, que c'est la communauté ecclésiale de base. C'est quoi la communauté ecclésiale de base? Les communautés ecclésiales de base sont une sorte de rassemblement de gens, où il y a des croyants, non croyants, mais même athées, qui vont se rassembler pour essayer de trouver une solution à des petits conflits. Ça pourrait être, on n'a pas d'électricité, bon, on se rassemble, on va lire la Bible, non, à partir de notre expérience. Mais on devra avoir un impact social. Ce n'est pas de venir, lire la Bible, et on s'en fout, on s'en va. Non, non, non. La idée de la communauté ecclésiale de base, c'est de se rassembler, bien sûr, lire l'Évangile, mais avoir un impact social. Ça pourra être, on n'a pas de l'électricité, on va demander au gouvernement, ou nous-mêmes, on va s'organiser pour avoir de l'électricité. Ça pourra être comme ça, mais la communauté ecclésiale de base, ça pourra être comme... Merde, maintenant on est dans la dictature. Il faut s'organiser et il faut se révolter, il faut désarmer. Et en fait, la révolution sandiniste nous montre que c'est grâce au travail des communautés ecclésiales de base, de l'organisation populaire, qui l'ont repercé, Somoza. Donc, en 1900, voilà, vous avez raison, 1979, la révolution nicaraguayenne. Cette même année, Samuel Ruiz a organisé une rencontre avec les indigènes pour voilà, s'organiser en même temps pour former les communautés ecclésiales de base au Chiapas. Dans les années 80, au Mexique, il y a eu la fameuse les guerres urbaines. Et le sous-commandant Marcos, à l'époque, selon le gouvernement mexicain, s'appelle Rafael Sebastián Guillén. Qui était Rafael Sebastián Guillén? Rafael Sebastián Guillén était un étudiant de philosophie à l'Université nationale de Mexique. Comme un bon Gramscien ou marxiste hétérodoxe, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire rien dans les cas démocratiques. Donc, il a fini l'université, il était professeur une année à la UAM, puis il a parti à Monterrey pour faire une sorte de guérilla urbaine. Bien sûr, l'État mexicain a fait c'était l'époque de la guerre sale, la guerre sucia, Dirty War. Donc, il a détruit tous les mouvements urbains. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le commandant Marcos ou Sébastien Guillén est parti au sud du Mexique avec des autres camarades pour essayer voilà, de faire. Parce que c'était également l'époque de la guerre au Guatemala et au Salvador, justement avec cette idée de continuer la révolution nicaraguayenne. No? Cette idée trotskiste de la révolution permanente, pas en un seul pays. Donc, ils ont parti au Chiapas. Et donc, quand le sous-commandant Marcos et les autres camarades arrivent, s'est rendu compte d'abord que les indigènes sont organisés. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il avait déjà le travail de Samuel Ruiz. Donc, il arrive et il se rend compte qu'il ne faut pas organiser, les indigènes sont déjà organisés. Donc, il vient et il dit, nous venons faire la révolution. Les indigènes disent un peu comme, ah oui, oui, nous aussi, et nous avons plus d'expérience que vous, parce que nous avons souffert la conquista. Donc, et ça, vous pouvez les lire dans les entretiens que Marcos dit, non? Marcos dit, au début, on arrivait avec cette mentalité urbaine, tu vois, eurocentrique, si tu vois, non? Nous sommes les intellectuels d'avant-garde. On arrive au Chiapas et on s'est rendu compte, on souffert notre première conversion. On s'est rendu compte que nous, les intellectuels, on est loin de les luttes populaires. On voit qu'il y a des communautés déjà organisées. Donc, ce que les indigènes disent, c'est « Ok, vous voulez lutter contre le gouvernement ?» Et j'ai fini rapidement. Mais d'abord, asseyez-vous et apprenez-nous. Parce que nous connaissons comment faire face à l'exploitation millénaire. Donc, les Marcos... Et voilà, il se jeune, il commence avec les autres de faire une sorte d'armée, l'armée de former l'armée de libération nationale.
Samuel Ruiz, qui était l'évêque de Chiapas, dit, quand il apprend la nouvelle que les indigènes vont se révolter, parce que beaucoup de ces indigènes voudraient devenir des prêtres, c'est les catéchistes, comme on dit en français. Voilà. Ils ont dit, Samuel Ruiz a dit, écoutez, moi, je suis représentant de l'Église, je ne peux pas accepter que vous allez faire la guérilla. Mais si vous voulez le faire, vous êtes libre, vous pouvez y aller. Mais vous devez quitter l'église. Donc Samuel Ruiz a dit ça. Donc Samuel Ruiz a dit, vous êtes libre de choisir les armes, mais vous ne pouvez pas être avec nous, avec l'église. Non? Donc il y a eu des indigènes comme le commandant David, un indigène, un gars indigène, qui son rêve était de devenir prêtre. Il a décidé, ok, je quitte l'église et je rejoins l'armée zapatiste. Donc il avait ce choix. Et donc, c'est comme cela que s'est formée l'armée zapatiste. Et voilà, vous connaissez la soulevation en 94. En 96, 12 ans après l'insurrection zapatiste, un journaliste l'a fait une question piège à son commandant Marcos. Dans une conversation, dans un entretien, il lui demande, est-ce que vous êtes croyant? Quel est le rapport du zapatisme par rapport à la religion? Pardon? Je ne vous répondrai pas. Non, il répond très intéressant. Parce que comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à Samuel Ruiz? Que même si Samuel Ruiz ne soutenait pas les armes, mais soutenait la lutte, la revendication. Donc c'était un peu voilà, pour une question piège, pour justement essayer de les... comment dire ça en français, de les opposer, ou de contrer. Oui, il sait que le sous-commandant Marcos répond, dit, bon, d'abord, il faut voir que le catholicisme n'est pas monolithique, non? La religion n'était pas, voilà, univoque. La religion peut justement jouer pour les dominateurs, comme pour nous les exploiter. Donc, pour soi qu'il s'agit de croire ou ne pas croire, c'est un domaine où les zapatistes laisse en totale liberté aux communautés indigènes. Par exemple, Samuel Ruiz, il dit ça, Samuel Ruiz, il est très respecté au sein de nos communautés. Quand Samuel Ruiz vient, les indigènes ne l'écoutent pas comme un évêque, l'écoutent comme un compagnon. Et donc mais voilà, pour dire, les religions, la croyance, c'est une affaire privée. Donc, il faut également, c'est-à-dire privée de les communautés, c'est la communauté qui doit décider, voilà, les rituels, les rites et tout ça. Il faut dire qu'au Chiapas, et dans l'Amérique latine également, je pense, il y a une sorte de religiosité baroque. C'est pas que quand les conquistadores sont arrivés et ils ont fait l'évangélisation, ça signifie pas que les indigènes ont assimilé la religion telle qu'il était imposée. Il y a une sorte de mixture. Je vais raconter cet épisode très intéressant. À l'époque de l'indépendance, au 19e siècle, les armées espagnoles, les armées de l'Espagne, avait sous la bannière de la Virgen de Remedios, creo. Il luttait contre la Remedios avec le drapeau de la Virgen de Remedios. Et les indigènes luttaient avec la Virgen Marie. La Virgen Marie, Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, c'est une Virgen brune. Parce que la Virgen de Guadalupe, avant la conquista, les Aztèques célébraient à une déesse qui s'appelait. S'appelait, je vous donne le nom tout à l'heure, ma mémoire, une femme qui s'appelait, une déesse qui s'appelait Tonantzin. Tonantzin, c'était une déesse, c'est adorée par les Aztèques, qui signifie notre petite mère, ça signifie ça. Donc, quand les Espagnols sont venus et ils ont évangélisé les indigènes, ils ont dit qu'il a eu une virgin brune, populaire. Donc, quand les indigènes s'affrontaient, avaient ce drapeau de la Virgin de Guadalupe, une virgin brune. Donc, quand par exemple les Espagnols battus dans la guerre, dans la petite bataille, ils prenaient la Virgin de Guadalupe et disparaient, les tuaient. Et les Aztèques, la même chose. C'est-à-dire, si les Espagnols perdaient une bataille, les Aztèques, les indigènes, disparaissent de balles
contre la... Il avait une sorte de confrontation de Virgin. Une sorte de... Voilà, ça. Je ne sais pas si dans des autres cas, dans des autres épisodes de guerre, ça a eu la même chose. Mais dans les cas de l'Amérique latine, c'est très intéressant. Bon, déjà, je sais que chez les musulmans, c'est interdit de se représenter, non, n'est-ce pas? Dans les cas latino-américains, pas du tout, parce qu'on a vécu la réforme et la contre-réforme. Et c'était très important, l'iconographie. Donc, dans les sud de Mexique, on peut voir une sorte de baroque, de mélange entre les rituels des mayas, de la religion des mayas, avec le christianisme. Donc voilà, c'est ça pour répondre à la question de les zapatistes et la théologie de la libération. C'est par rapport au Chiapas, en fait, si j'ai bien compris. Le Chiapas, c'est une région où il n'y a que des indigènes, il n'y a pas de métis ou de descendants de colons. Non, il y a tout le Mexique. Bon, c'est très intéressant. Le Mexique, c'est un pays métis, entre guillemets. Pourquoi? C'est vrai, la population blanche s'est située au nord du pays, surtout, parce qu'au nord, le climat était plus semblable à celle de l'Europe, au nord. Au sud, avec la chaleur, on dit que les Européens n'ont pas beaucoup envie d'être là, de s'établir. Mais ça ne signifie pas qu'ils n'avaient pas. Il y a. C'est-à-dire, la majorité de la population indigène se concentre au sud du pays, au sud. Parce que déjà, à côté, on a Guatemala. Et le Chiapas, c'est au sud. Chiapas, c'est à côté de Guatemala. Déjà, Guatemala, au 19e siècle, avant, pertenaissait à Mexique. Après, les Guatemaltèques ont gagné son indépendance. Mais au nord, par exemple, au nord, il y a eu des massacres où vraiment les Espagnols ont anéanti l'ont fait des massacres, par exemple, au sud. Mais pas seulement les Espagnols. J'ai parlé de la colonialité de pouvoir. La colonialité de pouvoir, c'est également, c'est une sorte de colonialisme interne. Et ça, Frantz Fanon l'avait développé dans Les Damnés de la Terre. Quand Fanon dit, les colonisés, vous devenez un colon, n'est-ce pas? Donc, ils prennent les mêmes patrons, même après les indépendances. Donc, en Amérique latine, ça passe la même chose. Et il y a une sorte de colonialisme interne. Donc, avec certains gouvernements métis, ils ont gardé cette perspective d'infériorisation des indigènes. Donc, les indigènes étaient un obstacle pour le progrès. Il faut les, tu vois, si pas les exterminer, mais au moins s'en foutre d'eux. C'est pour cela qu'au sud se concentre la majorité de la population pauvre, analphabète, parce que, voilà. Mais non, si vous allez au Chiapas, vous pouvez trouver un petit nouveau de créole, de fils des Espagnols, mais également de métis. Non, oui. Mais ils ne sont pas majoritaires. Non, la majorité c'est des indigènes, c'est vrai. La majorité sont des indigènes au Chiapas. Les populations à majorité indigène au Mexique, c'est l'État de Oaxaca, l'État de Guerrero et l'État de Chiapas. Sont la majorité indigène. Ouais, ouais. Merci. Je connais pas du tout l'histoire du Mexique. Il n'y a pas d'histoire de solidarité entre les descendants afro-mexicains et les indigènes. Ah, ça c'est. Il y en a beaucoup en Honduras, il y en a beaucoup dans le sud des Caraïbes, je ne sais pas si c'est le cas. Oui, c'est. Est-ce que d'abord, il faut dire que la population noire au Mexique, c'était surtout dans l'état de Veracruz. Parce que quand les Espagnols arrivaient, ils arrivaient à l'état de Veracruz. C'est là où ils laissaient les populations noires. Mais ils n'avaient pas eu beaucoup de population noire au Mexique. La population de la traitière négrière, c'était à Veracruz et à Guerrero. Guerrero, parce que c'est le côté pacifique, les bateaux qui vont aller au Japon, c'est le nouveau de noirs. Bien sûr, il y a plus de population noire, surtout au Honduras, Belize, par exemple, parce que c'était une colonie américaine, anglaise, puis américaine, et au Brésil, au nord-est, mais au nord-est, non? Les Fortaleza, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la question afro-amérindienne au Mexique? Comme ce n'est pas très majoritaire, comme dans le cas du Brésil, il n'a pas beaucoup de sexants. Mais il y a un des grands, un des premiers combattants de l'indépendance, c'est un leader de guerreros qui s'appelle Vicente Guerrero. Il était un noir, un noir. Mais le plus intéressant, c'est qu'à l'époque de la historiographie nationale du XXe siècle,
la historiographie mexicaine a gommé les... Voilà, l'homme blanchi. Mais ce n'est pas seulement Vicente Guerrero. Si on regarde, par exemple, l'histoire des indépendances en Amérique latine, un des collaborateurs de Simón Bolívar était San Martín. Beaucoup des années, on représentait à San Martín comme un gars blanc. Non? C'est-à-dire, tous nos libertadores sont des blancs, même Simón Bolívar. Donc, maintenant, avec la nouvelle recherche, on a découvert que, par exemple, San Martín, c'était noir et c'était indigène. Pourquoi? Comment est-ce qu'on a découvert ça? D'abord, parce que dans les chroniques, on a découvert que dans une bataille, San Martín, pour arenguer, on dit comme ça en français, arenguer, pour arenguer les troupes, pour aller à la bataille, les arenguer en guarani. Et on dit, s'il était blanche, comment est-ce qu'il parlait le guarani? Donc, on a découvert que lui, par exemple, San Martín, il était fils de indigènes, que bien sûr que la famille espagnole a décidé de l'adopter, de l'envoyer en Espagne, mais lui, il était fils de indigènes, il parlait le guarani. Donc, quand il est retourné en Amérique latine pour faire la lutte, pues, il avait des racines indigènes. C'est pour cela qu'il a pu parler guarani. Mais pendant beaucoup d'années, il nous montrait nos libérateurs comme des blancs, comme des créoles, des fils d'espagnols. Vicente Guerrero, pour beaucoup d'années, était retracé comme un métis. Et maintenant, nous savons qu'il était un noir. Pour montrer justement l'alliance qu'il y a eu entre les populations afro-amérindiennes et indigènes. Bon, lui, en tant qu'expression, non, mais bien évidemment, les communautés noires suivaient dans les cas mexicains à Vicente Guerrero. Un autre gars, noir aussi, important à mon avis. En plus, il était prêtre. José María Morelos y Pavón, parce qu'on nous apprend toujours que la indépendance du Mexique a commencé avec Miguel Hidalgo, le prêtre Miguel Hidalgo qui a sonné les cloches pour rassembler toute la population et comme ça, ouais. Mais il avait un gars, un prêtre qui s'appelait José María Morelos y Pavón, un noir. Lui, c'était le premier gars qui a écrit, a rédigé, je vous recommande en internet, je pense que ça existe en français, il a rédigé un document qui s'appelle « Les sentiments de la nation ». Los sentimientos de la nación. Siempre es que como la carta de Jamaica, la letra de Jamaica de Bolívar. C'est un sort de première constitución, o il dit, la liberté, ça doit être pour tout le monde. Un poco como la revolución haïtienne, un poco como la. No? C'est-à-dire, la liberté doit être, voilà. Il ne s'agit pas de race. Donc, y c'était un noir, José María Morelos y Pavón. Y c'est le premier, un des premiers penseurs, à mon avis. Si nous voudrons faire toute l'histoire des écrits des coloniales, il faut lire « Sentiment de la nation » de José María Morelos y Pavón, qu'il était en plus un prêtre. Et il était un important guerrillero. C'était un gars qui a justement... On a entendu que même Napoléon a dit de lui, de Morelos y Pavón, « Si j'aurais trois Morelos y Pavón, je conquérerais le monde. » Imagine. Il était un très grand chef de stratégie militaire. Et il était noir. On dit en espagnol « mulâtre ». Mulâtre. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, on est en train de reconstruire à nouveau la histoire. Parce qu'on s'est rendu compte que la histoire officielle était détournée justement pour nous montrer que les indigènes et les noirs sont des bêtes. Qu'ils ne peuvent pas construire un État national. Tu vois? Et c'est un mensonge. Parce que avec ce... Voilà. Voilà. All power to the people.